Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de Topping. Et on est samedi, donc c'est les parties originales. Alors les parties originales, contrairement aux parties normales où on joue avec 7 lettres. Et puis voilà, parfois on joue avec 8 lettres ou un joker permanent ou les deux. Et parfois on peut poser 7 lettres ou 8 lettres. Et parfois peut poser que 7 lettres. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, dès qu'on commence la partie, on sait à quoi s'en tenir. Et ici, c'est une partie joker proposée par la Fédération française de Scrabble à tous les licenciés et par l'intermédiaire du logiciel DupliJeu qui est disponible pour les licenciés. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo. Je suis bien rouillé en ce moment, période extrêmement chargée pour moi avec les commentaires du championnat de France des jeunes d'échecs en ligne. Et donc je suis épuisé et donc j'attaque cette partie joker bille en tête. On va voir ce qui va se passer. Ça joue en 3 minutes par coup au format topping. Donc si on trouve le meilleur mot, on passe à la suite. Comme par exemple ici j'ai joué jalon. Alors Yodla, ça faisait autant de points et c'était la préférence de l'ordinateur bien sûr, parce qu'on peut mettre un S, un I ou un T au bout. Alors j'ai parti joker qui permet souvent de faire beaucoup de points. Le verbe souffrer ici qui va faire énormément de points car le F double. Et le mot triple, ça fait 92 points. On peut faire enherber, verbe enherber, et ce n'est pas le top. Ça dépend comment on le positionne, car si on touche les deux cases roses, on obtient multiplié par 4, 98 points. Ça part sur les chapeaux de roue, cette partie. Ah, j'aimerais bien. Alors, je vais faire un petit expié à 66 points. J'allais dire juste pour ouvrir le coup. Et ça fait le top, et bah c'est bienvenu. Il y a un petit pick-up ici, peut-être. Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé. Le cas par ici, ce serait pas mal, mais est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Et on herbera, pour le cas, vraiment pour le plaisir. Oh, le plaisir qui top le coup, incroyable! J'aurais jamais parié que c'était le top. Je tapais le truc un peu comme ça au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces lettres? Pluvial? Pluvial? Bon, sinon j'aimerais bien jouer sur le K et je n'y arrive pas, mais je vais punk. Oh, mais alors là, c'est la partie géniale. Tu tapes quoi que ce soit, c'est le top. Allez, on va jouer jovial, ça va être le top. Ah non, quand même pas. Bon, on va peut-être faire un petit Scrabble maintenant avec ces lettres. Là, il y a quand même du bon potentiel. Il n'y a pas de street genre Villose. Si on met le E ici, qu'on essaye. C'est difficile quand même, hein. Vrillé. Le D. Un autre L, ça paraît beaucoup. Le A ici. Si on fait ça, 35 points. Oh, mais alors c'est fou parce qu'il y a des isotopes planqués, mais on arrive quand même. Alors, avisé, on n'oublie pas. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Le J. Alors, attention, on va faire un scrap quand même ici. Solennel, c'est magnifique. Ça fait plaisir. C'est la classe. Alors, ne me demandez pas pourquoi les mots me viennent comme ça. Je ne saurais pas vous répondre. On va jouer taguet. Ah, là, cette fois, par contre, ce n'est pas le top. Est-ce qu'on peut faire le verbe jauger par hasard pour 82 points? Ah, ça fait Arguet qui a chopé la petite case bleue foncée en bas. Ça se passe comme dans un rêve pour l'instant. Est-ce qu'on peut jouer ici en acmique? Ça aurait été un peu trop comme dans un rêve pour le coup. Macaque, pas loin. Hein. Bon, est-ce qu'on peut partir vers la droite? Il y a squamé. Ah. Ok, Jacques, on va faire. Ouais, ça marche pas à tous les coups. Là, peut-être. Là, masqué. Si on fait. Ouais, il n'y a pas Macam. Ah, là, par contre, c'est problématique. Ça devait bien s'arrêter un jour, la série, hein. Points masque 40 points n'est pas le top là. Ouais, non, je suis un peu perdu ici. Je sais pas quoi faire. Peut-être ici. Muscam.
Musqué, c'est pas. Non, non, je ne sais pas. Là, j'avoue que c'est dommage, car j'étais bien parti. Je reste coaché ici. Non, non, je. C'est pas quoi faire. Je sens que c'est une bonne place, évidemment, mais. Je vais pas faire des mots. Avec le M là, ça me perturbe. J'ai peut-être raté une place, hein, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. 40 points, c'était pas mal. Coincé avec cette lettre ici. Hakim peut-être? Est-ce que ça fait des... Bref, non. Non, non, je ne sais pas. Puis surtout, je sais pas où chercher. Ça, c'est un problème. Ouais, non, je vais perdre ce coup. Waouh! Alors d'un côté, je suis déçu parce que j'ai tellement travaillé cet emplacement que j'aurais beaucoup aimé trouver ce coup. Mais de l'autre, c'est tellement beau. Comment être déçu? Le coup est magnifique. On fait un Scrabble. On met le cul sur bleu clair. En fait, doubler le mot, ça fait 106 points. J'ai perdu 66 points sur ce coup. Il est fantastique. Et ben ma foi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce qu'on va jouer ici? On va jouer joyeux. Et on a rudoyer, mais on ne sait pas quoi en faire. Rudoyer, on sait quoi en faire quand même. Voilà, le Scrabble. Allez, si je rate que Micmac sur cette partie, je serai content. Petit wrap. Ouais, non, mais en fait, en plus, cette partie qui. C'est dommage. Parce que, alors, c'est des coups assez simples, on va dire, parce que dès que je tapais un truc, c'était le top. Et c'était pas des coups incroyables que je tapais, faut bien le dire. Mais alors, Micmac, c'est le coup exceptionnel. Allez, Louveté, ça fait 13 points. On s'en contente pas. 22 points. Là, est-ce qu'on peut faire. Allez, on est en bas, là, quand même. Ouais. 25 points. Lever ici. C'est pas la folie. Non mais là, peut-être pourvu. Repourvu. Dépourvu. Ouais. Il y a OV ici, mais bon. Je sais pas. Pourvu, pourvu, pourvu. Souvenu. Ouais. Trouveuse. Bon, ça paraît difficile ce coup encore. Est-ce qu'on peut jouer là? Une vache évachée. Non, juste une vache. 31 points, c'est bienvenu. La place n'était pas évidente non plus. Allez, là peut-être. Il y a quand même deux U, c'est pas là. Tatoué. Toutou. Toutou. Toulou. Doutou. Auto, ben auto-tour, ce serait vraiment la classe auto-tour, mais. Et là. Alors le cul, hein, bien sûr, on a un U dans le tirage, on va faire Joker QGX. J'essaie de finir par X, Toto, Tourteau, non, un peu loin. Avec un cul, on fait. Quoi? Souka? Ah, il manque une lettre, enfin il reste une lettre. Souka, Stuka, Puka. Et le G. Et le G. D'Inspire-Guerre. Il y a peut-être tout chaud. Ouais, tout chaud sur un C ou un H. Bon, mais il n'y a pas du tout d'appui sur cette grille. C'est pas où jouer. Je ne sais pas où jouer. Est-ce qu'on peut prolonger à part ça? Qu'est-ce qu'on peut. Non, c'est pareil compliqué. Là, peut-être. Bouf.
plutôt pas. Souffrerait, on va pas faire un truc de fou. Franchement. Coutura. Soutura. C'est pas un verbe souturer. Sous. Ouais, ça peut complètement scrabler ici. Poutouna. Ah, il manque une lettre. Poutouta, patouta. Poutou, poutou, patou, poutou. Non. Sympa. C'est difficile les deux U, le joker, les lettres à un point là, ça fait un peu trop. Pour moi, j'en suis pas sorti. Je sais pas s'il y a un Scrabble. Je sais pas s'il y a un Scrabble, c'est possible. Sinon, un pauvre truc à 28 points. Mais j'ai pas d'idée où. C'est ce qui m'inquiète. J'aurais pu faire l'alphabet, c'est trop tard maintenant. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Wouah! Joker Q! J'ai fait Joker Q! Mais statu quo, c'est un nouveau mot! Il est arrivé seulement en 2020 dans le dictionnaire, c'est impossible de le former! Il était avec un trait d'union avant ce mot-là, c'était un mot composé, qu'est-ce qu'il fait dans le dictionnaire du Scrabble ce mot? Il a rien à faire là! Eh ben, j'ai perdu 33 points, c'est la moitié des 66 points que j'ai perdu tout à l'heure, donc pour l'instant je suis à moins 99. La partie ne paye pas de mine, à part les deux coups exceptionnels, Micmac, statu quo. Fantastique. Bon ben on va faire déloger. C'est le top, on va dire des coups pourris, à part les deux coups de folie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est seulement variable ce truc? Ouais. Ah ben ça fait plaisir de voir des beaucoup comme ça. Je suppose que c'est là. Mais j'ai un peu de mal à faire un mot. Il n'y a qu'une seule voyelle, c'est la dèche. Il y en a encore 5 dans le reliquat. Tim! Ah oui, c'est pas trop donné la conjugaison du verbe tenir. Allez, un peu de poésie. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Là. C'est nul. 18 points, oui, sinon c'est vraiment nul. Là, peut-être. Ah bon? 35 points? Ok, mais genre, moi je veux bien faire un scrap, mais. Oui, enfin, faut que je veuille un peu plus, quoi. J'ai raté que deux coups dans cette partie, mais je suis à moins 99. Elle est magnifique. Allez, on va la débriefer. Elle était sympathique. Alors, je sais pas si je vous ai. Ouais, c'est bon, c'est prêt. On va au débrief. Débrief de cette partie avant de voir les résultats. Des joueurs qui se sont déjà essayés en ce samedi. Donc, ouais. Ben, oh, alors là, quand même, un superbe fluo rose en quadruple. Est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez parfaitement. C'est la classe. En soufré aussi. Donc, vous pouvez rapprocher le verbe soufré, en soufré. Donc, soufré, traité avec du soufre, en soufré, enduire de soufre. Jusque-là, tout est logique. Le verbe esbrouffer, qui est un verbe, hein, pardon. On peut penser à esbrouffe, mais c'est également un verbe. Donc, le verbe enherber. Ensemencer l'herbe. Ok, expier, c'était le top, je m'y attendais pas. J'ai tapé pour le cas, je pensais pas que ça allait être le top non plus. Punk, il y avait Puck également. Ok, space, c'est rien, la partie était complètement lambda. Bon, ok, solennel, j'avoue. C'est mignon, il y avait une jolie donzelle sur le Z, mais pas que en collé. Ok, il y avait moyen de faire pas mal de scraps différents, même s'ils étaient quand même pas donnés. Tous ces Scrabble. Pas évident, évident. Alors là, il y avait Fatiga.
Oh, ouais, d'accord, ça faisait autant de points aussi. Fatiga avec Enherbera, Argège, Augé. On pouvait faire 82 points à trois endroits différents, c'est plutôt rare. Et puis, alors là, le coup de folie. Alors, Macam, j'ai pas fait. Macam pour essayer de gagner 6 points sur ce que j'avais. Ah oui, le M double. Ouais, c'est très joli. Macam, qui est un mot assez récent. Mode musical arabe. Ouais, j'en étais resté à masse parce que je cherchais le Scrabble et j'avais bien raison. Ce Micmac. Fantastique, on peut mettre avec un C ou QUE, peuple amérindien, Micmac, c'est exceptionnel. Mais on dit aussi, il me semble, dans l'expression, qu'est-ce que c'est que ce Micmac, non? À moins que je confonde. Et là, c'est vraiment. Fouah! Oi, 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 oi. Ah, c'est là, Micmac, ouais. C'est avec un C, en fait, Micmac, d'accord. Ouais, non, ben, rien, que dire. Que dire, il est exceptionnel. Et on n'a pas le I, il faut l'imaginer. On n'a pas le C surtout. Surtout le C. Et puis là, mettre le M après le C, faut être en forme quand même. Faut que ça flash là. Je trouve ça superbe. On va aller voir combien de joueurs ont réussi à trouver ce coup. Et les autres. Rudoyer, bon, bah il fallait pas s'endormir. Ok, Dine, très joli. Perdre seulement 8 points. Wrap, Stavug, c'était plus joli, Stavug. Ok, Vache qui gagnait sur Ovat. Qui n'a pas réussi à faire Ovat. Et alors là, un autre coup génial. Statu quo, Joker Q. Oh là là, je pouvais jamais trouver ça. J'étais pas au sous-top, c'était atout en collante intégrale. En B10. Superbe. Le sous-top est superbe également. Ouais, ce coup est magnifique. Statu quo en top. Allez, je vais l'enregistrer sur mon ordi. Il est vraiment très très beau. Donc, je fais une petite capture d'écran. Deuxième capture d'écran, si Colas m'écoute. Pour si je pouvais te, je suis obligé de faire deux captures d'écran pour avoir le tirage plus les solutions sans que ça me mette la solution sur la grille. Donc, parce que si je masque les solutions, j'ai plus la solution sur la grille. Bref. Enfin, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt que là, j'ai le tirage, mais j'ai pas les solutions. Donc, magnifique. Et puis après, ben, c'était. Alors, timbre, bon, c'est mignon. Et puis Filat pour finir, il y avait Elatif en sous-top qui battait un point d'un point ce Ez. Ok, bon ben elle était belle, alors on va voir les résultats. Bravo aux trois toppeurs, dont deux Belges, Valentin Sampou et Bernard Selk. Très joli. Et on salue Gaston, le jeune espoir. Donc deux espoirs hein, qui topent cette partie à catégorie 18-25 ans. Ils sont là. Bravo à. William Abribat, Laurent Lequen, le petit moins 3 sur Timbre peut-être. François Demers, Kiki Dekpo, Maneji, le champion togolais. Et puis derrière, ça passe à moins 30. Moins 30, c'était Atou. Atou sur statu quo. Antonin Michel, 4 fois champion du monde, qui a joué Atou sur statu quo. Et puis derrière, c'est les joueurs qui ont raté au moins statu quo et autre chose. Voilà, et puis ben, assez vite, je pense que ça va partir quand même. Vers du. Ouais, alors non, Micmac, c'est fou quoi. Alors, oh, bravo, hein, franchement, vous avez trouvé Micmac. Je trouve ça exceptionnel. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Ça part des 66 points, donc il y en a au moins 20 qui l'ont trouvé là, voire plus, hein, bien sûr. Et 66, 66, c'est la classe. Et là, il y a peut-être. Voilà, ceux qui ont trouvé Micmac, qui n'ont pas trouvé Micmac, mais qui ont trouvé Statu Quo. Puis moi je suis dans le troisième wagon, le wagon du 99. Voilà, je suis pas tout seul à 99. Je suis accompagné de Yves. Et il y a du moins. Il y a combien de parties qu'il a joué? Il y a 339 joueurs qui ont joué pour l'instant. Avec ce moins 99. Je suis 50e à peu près. Ouais, 50e ex aequo. Donc comme quoi la partie était spécialement corsée. En fait non, elle n'était pas ultra corsée. T'es pas ultra corsé, le truc de fou, c'est ces deux coups là, ces deux coups hallucinants, ouais. Le reste, c'était pas dingue. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Les définitions des mots compliqués sont dans la description. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. À la prochaine!